Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de scandium consacré à l'hématopoïèse. L'hématopoïèse est un processus qui s'effectue en majorité au niveau de la moelle osseuse. Et vu la durée de vie des cellules sanguines qui est relativement courte, on aura besoin d'un renouvellement continu. Toutes les cellules du sang vont dériver de cellules souches hématopoïétiques pluripotentes. Ces cellules pourront connaître trois scénarios de vie différents. Le premier est une mitose symétrique, ce qui va résulter en deux cellules souches. La seconde possibilité est une division asymétrique, c'est-à-dire qu'on en résultera deux cellules. L'une sera une cellule souche pluripotente, comme la cellule mère, et la seconde cellule se différenciera et perdra ainsi le potentiel de cellule souche. Le dernier scénario possible est une différenciation sans division cellulaire. Les cellules souches de la moelle osseuse sont de petites cellules mononucléées et ces cellules souches sont généralement assez discrètes, peu nombreuses et difficiles à observer surtout à l'âge adulte. Ce qu'on arrive à visualiser plus facilement, ce sont les cellules progénitrices descendantes des cellules souches. Celles-ci vont former les Colony Forming Units, qu'on va abréger à CFU, ainsi que les cellules différenciées. Les cellules souches vont d'abord donner des progéniteurs communs. En premier, on aura les progéniteurs myéloïdes érythroïdes communs qui se développent sous l'effet de la thrombopoïétine par exemple. Puis, nous avons les progéniteurs lymphoïdes communs qui se développent sous l'effet de l'interleukine 7 par exemple parmi d'autres facteurs. Les progéniteurs communs selon le stimulus et les facteurs de croissance auxquels sont exposées ces cellules, on va avoir différents types de CFU. En effet, il en existe 4 types. Tout d'abord les CFUE, c'est-à-dire les Colony Forming Units Erythrocytes, et c'est la lignée aboutissant aux hématies. On aura les CFUGM pour Colony Forming Unit Granulocyte Macrophage, lignée qui va aboutir vers les granulocytes et les monocytes, et donc les macrophages. Les CFUL, qui sont une lignée qui va donner les lymphocytes, et enfin les CFU-ME qui donneront les mégacaryocytes. Les érythrocytes sont les cellules du sang les plus abondantes et ce sont le stade final du développement de la lignée érythrocytaire. Afin d'arriver à ce stade de globules rouges différenciés, les CFUE se différencient d'abord en pro-érythroblastes et ces cellules mesurent entre 15 à 30 microns. Le cytoplasme bleu qu'on observe en microscopie est dû à l'abondance en ARN ribosomique. Au sein de ce cytoplasme, on aura un grand nombre de ribosomes qui vont commencer à synthétiser l'hémoglobine. Ces pro-érythroblastes vont se diviser pour donner deux érythroblastes basophiles qui vont continuer à synthétiser de l'hémoglobine. Après quelques divisions, les érythroblastes basophiles finiront par donner des érythroblastes polychromatophiles, c'est-à-dire que ces cellules peuvent se colorer de différentes couleurs par différents colorants. À noter qu'à ce stade, la taille de la cellule diminue à 10 microns. Le cytoplasme apparaît un peu grisâtre et ceci est dû à l'agrégation de l'hémoglobine. Le prochain cap est les érythroblastes orthochromatophiliques. Ces cellules ont une coloration qui se rapproche davantage de celle des érythrocytes. Ayant une taille d'environ 8 microns, le noyau se densifie et sera expulsé avec toutes les organelles. On aura donc nos érythrocytes d'un diamètre d'environ 7 microns. Ils vont demeurer dans la moelle osseuse pendant à peu près 3 jours avant de rejoindre la circulation. Entre 1 et 2% du total des érythrocytes produits contiendra toujours des ribosomes, ce qui va résulter en un pH légèrement basique. On appellera ces cellules les réticulocytes. En rejoignant la circulation sanguine, ils termineront leur maturation. Il est important de noter qu'au long de l'érythropoïèse, l'hémoglobine augmente graduellement alors que les ARN, le cytoplasme et la taille de la cellule décroissent à chaque étape. Je disais au début que toutes les cellules du sang émanent d'un seul ancêtre cellulaire qui sont les cellules souches hématopoïétiques. Ce qui fait que les cellules souches hématopoïétiques seront orientées vers la lignée des érythrocytes est une glycoprotéine qui est l'érythropoïétine.
produite par les reins et cette sécrétion est accentuée en cas d'hypoxie. Cela est assez logique car une hypoxie est perçue comme une incapacité à capter assez d'oxygène. Donc pour capter plus d'oxygène, il nous faut plus d'hémoglobine. Et afin d'avoir plus d'hémoglobine, il nous faudra plus de globules rouges. Les CFEME, c'est-à-dire les Colony-Forming Unit Megakaryocytes, sont des cellules souches unipotentes avec unique potentiel d'engendrer des mégacaryoblastes. La taille de ces cellules est d'environ 50 microns. Ils ont un noyau lobulé. Elles ne vont pas se diviser, mais vont plutôt se transformer en mégacaryocytes en passant par un stade intermédiaire. Les mégacaryocytes auront une taille finale allant de 30 à 100 microns et les cellules auront plusieurs pseudopodes. Ce sont les longs et fins pseudopodes émanant de la membrane plasmique qui vont se fragmenter sous l'effet de la thrombopoïétine, donnant ainsi les plaquettes du sang. On passe à présent au développement des cellules de l'immunité et on commencera par le développement des granulocytes. Celles-ci dérivent du même progéniteur commun que les monocytes. Le développement de chaque lignée est sujet aux facteurs de stimulation des différentes colonies que je mentionnerai au fur et à mesure. En partant des CFEGM, on aura trois stades de développement. D'abord des myéloblastes, qui sont des cellules de 12 à 20 microns. Elles ont un cytoplasme basophile en raison du grand nombre de ribosomes, mais ils ne contiennent aucune granulation à ce stade. Ces myéloblastes donneront naissance à des promyélocytes qui seront un peu plus grandes que leurs précurseurs. Leur taille est comprise entre 15 et 20 microns. Ces cellules auront toujours un cytoplasme basophile mais commenceront à développer des granulations non spécifiques qu'on appelle les granules azurophiles. Les promyélocytes vont se diviser pour donner des myélocytes qui auront une taille comprise entre 15 et 20 microns. Le cytoplasme est légèrement basophile et ce sera à ce stade que la production des granules spécifiques aux différents types cellulaires commencera. Selon le stimulus, on aura trois groupes de myélocytes qui seront chacun le précurseur d'un type de granulocyte. En effet, sous la stimulation de la GCSF, abréviation pour Granulocyte Colony Stimulating Factor, on aura des myélocytes neutrophiles. Sous l'action de l'IL-5, de l'interleukin-5, il en résultera des myélocytes éosinophiles. Et enfin, sous l'action de l'IL-3 ou de la thymic stromal lymphopoietin, abrégé TSLP, on aura des myélocytes basophiles. Ces cellules vont entamer une étape de maturation pour devenir des métamyélocytes. Leur taille sera de 10 microns environ et leur cytoplasme sera moins basophile. Ce sont les précurseurs des trois types de granulocytes. On aura les éosinophiles qui auront des noyaux bilobés et seront colorés en rouge à l'ajout de l'éosine. Les basophiles sont les moins abondantes. Enfin, les neutrophiles ont un noyau qui a entre 2 et 5 lobes. Ces neutrophiles ont trois types de grains. D'abord les grains de type B, spécifiques aux neutrophiles, les grains de type A non spécifiques, ainsi que les granulations nucléées qui sont les plus rares. Il est à noter que les granulocytes étaient dénommés les polynucléaires, c'est-à-dire des cellules qui ont plusieurs noyaux, car la lobulation du noyau a poussé les biologistes et médecins de l'époque à penser qu'elles avaient plusieurs noyaux, mais cette dénomination est obsolète et ne devrait plus être utilisée. Provenant d'un même progéniteur cellulaire, les CFEGM donneront naissance aux monoblastes sous contrôle du Monocyte Colony Stimulating Factor. Les monoblastes sont plus ou moins similaires aux myéloblastes et vont se différencier en promonocytes qui se différencient à leur tour en monocytes. Ces monocytes vont quitter la moelle osseuse vers la circulation et rejoindre les tissus et les organes afin de se différencier en macrophages. Enfin, on arrive à la dernière lignée qui est la lymphoïde. Les CFEL se différencient en lymphoblastes qui engendrent à leur tour des prolymphocytes. Ces prolymphocytes connaîtront deux scénarios possibles. Soit ils se différencient en lymphocytes B
au niveau de la moelle osseuse et rejoindront la circulation pour résider au niveau des tissus lymphoïdes secondaires comme les ganglions. D'autres pro-lymphocytes vont quitter la moelle lors de la vie embryonnaire et la période postnatale pour séjourner dans le thymus où ils vont se différencier en lymphocytes T. Il est à noter que ces cellules connaîtront davantage de changements au cours de leur vie, et ce, dû aux différentes réponses immunitaires contre les pathogènes auxquels on est exposé.